Mesdames et messieurs, honorables invités, collègues et partenaires de l'industrie. C'est avec un grand enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui pour partager avec vous des nouvelles révolutionnaires qui marquent un tournant dans l'économie et le développement industriel du Mali. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle dans le secteur des ressources minérales, en particulier avec le lithium, un composant essentiel de l'avenir technologique et énergétique mondial. Je vais vous parler plus en détail du projet de mine de Bougouni, une initiative qui promet de transformer le paysage économique de notre nation. Pour commencer, permettez-moi de vous situer dans le contexte de l'industrie mondiale du lithium. Le lithium, souvent appelé « l'or blanc », est au cœur des technologies de batteries modernes, alimentant tout, des téléphones portables aux voitures électriques. La demande mondiale pour ce métal précieux ne cesse de croître, propulsé par la transition énergétique vers des sources plus durables et l'électrification des transports. Le Mali, doté d'importantes réserves de lithium, est sur le point de se positionner comme un acteur clé sur ce marché en pleine expansion. En 2024, notre pays prévoit de lancer deux projets miniers majeurs, Goulamina et Bougouni. Selon une étude de 2020, Bougouni est capable de produire environ 2 millions de tonnes de concentré de lithium, ce qui place le Mali parmi les futurs grands producteurs de lithium dans le monde. Le 14 novembre dernier, Caudal Mineral a annoncé une augmentation spectaculaire des estimations de ressources minérales pour le projet Bougouni. Ils ont révélé une estimation de 31,9 millions de tonnes avec une teneur de 1,06% de lithium, représentant 337 200 tonnes de lithium contenu. Cette estimation représente une hausse impressionnante de plus de 40% par rapport à leur dernière évaluation en février 2019. Cette progression remarquable est le fruit des investissements significatifs dans les technologies de forage à circulation inverse, RC, et au diamant, DD, qui ont permis d'obtenir des informations plus précises et étendues sur les gisements. Les résultats des forages dans les gisements de Boumou et Ngualana sont particulièrement prometteurs, avec des augmentations respectives de 236% et de 9% en termes de ressources estimées. Ces chiffres démontrent non seulement la richesse des gisements du Mali mais aussi l'efficacité des techniques modernes de prospection et d'exploitation minière. Par contre, les ressources du gisement Sogola-Baoulé sont restées stables, mais avec une teneur très satisfaisante de 1,1% de lithium. Bernard Alloire, PDG de Caudal Mineral, a souligné l'importance de ces découvertes. Il a mis en avant le succès de la campagne de forage de cette année, la première d'une telle ampleur depuis 2019, et a exprimé son optimisme quant à l'énorme potentiel de croissance des ressources du projet Bougouni grâce à la poursuite des opérations de forage sur les sites ciblés. D'après l'étude de faisabilité réalisée en 2020, la mine de Bougouni peut fournir annuellement 220 000 tonnes de concentré de spodumène titrant 6% de lithium, sur une durée de vie projetée de 8,5 ans. Avec l'actualisation récente de l'estimation des ressources minérales, nous envisageons une augmentation potentielle de cette capacité de production. Cette perspective est non seulement une aubaine pour l'économie malienne mais également un atout stratégique dans le contexte mondial de la demande croissante de lithium. Mesdames et messieurs, ces développements représentent plus qu'une opportunité économique pour le Mali. Ils placent notre nation au centre des discussions sur l'avenir de l'énergie durable et des technologies vertes. L'exploitation du lithium au Mali n'est pas seulement un projet minier, c'est une porte vers le progrès, l'innovation et un avenir plus durable. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant prêt à répondre à toutes vos questions concernant ces développements passionnants dans l'industrie du lithium au Mali.